Au quartier Tété, dans le 3e arrondissement, les gens sont dans un perpétuel cycle des eaux qui sont en stagnation autour des habitations, surtout en cette période de la saison sèche. Qu'arrivera-t-il en période pluvieuse aux riverains? Jess Belvedere a dit ce qui suit. Ça, personnellement, je n'ai comment vous dire. Vous-même, vous voyez, la route n'est pas praticable. Si à la saison sèche, elle n'est pas praticable, imaginez-vous à la saison de pluie. Donc, nous, personnellement, je pourrais vous dire, on a comment emmener les enfants. Si l'eau nous arrive jusqu'ici, moi, je vais accepter laisser ma vie, me noyer, faire noyer ma famille à cause d'aller à l'école. Ou encore, vous-même, vous voyez comment ce que la condition y est. Donc, je vois comment vous reprendre à cela de dire que non, à la saison de pluie, nous avons l'accès où nous pouvons aller. Ça, vraiment, c'est faux. Ici, quand il pleut, les enfants ne vont pas à l'école. Ce n'est pas possible. Ils n'ont comment aller à l'école parce qu'on n'a pas d'accès, on a comment faire. Sauf pour nous, il y a ces fois où les mamans rentrent dans l'eau pour aller faire tantôt le marché, mais l'eau par ici, on a comment. Donc, c'est seulement si l'État peut penser bouger les caniveaux, déplacer ce pont-là, essayer un peu d'orienter ce pont, là, on pourrait dire qu'on pourrait respirer. Donc, on demande cela à l'urgence, quoi. Que l'État congolais fait cela à l'urgence. On a tellement trop demandé, déclaré. Une fois la chance nous est arrivée de vous rencontrer ensemble avec nous, cela nous en profite. Mais ce que nous demandons, nous, comme population habitant de ces quartiers, nous demandons que l'État fait face à ce qui concerne la situation des populations qui vivent ces quartiers.